Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Frosty, le syndicat de la mode, votre chaîne 100% mode. On espère que vous allez bien, en tout cas nous ici ça va très bien. Alors, on est content de vous retrouver dans cette nouvelle capsule mode. Donc aujourd'hui on va vous montrer 5 looks pour transitionner de manière facile et passer de l'été à l'automne tranquillement. Club, abonne-toi et active la cloche des notifications pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Rejoins-nous sur Instagram et pour plus de contenu mode, télécharge notre guide mode gratuit, le guide mode défistylé, le lien est dans la barre d'infos. L'été est terminé, nous l'été c'est notre saison préférée, mais bon, faut bien passer à une autre saison, à l'automne. Donc l'automne c'est une saison aussi qui est pas mal, on peut quand même mettre plein de choses, on peut faire des superpositions. C'est une saison intéressante parce qu'on peut utiliser beaucoup d'accessoires, les couleurs sont sympas. Donc on a décidé aujourd'hui de vous montrer 5 looks, voilà, 5 inspirations mode pour vous aider à transitionner et faire passer vos vêtements d'été à l'automne. Donc on commence avec le look numéro 1. Donc nous ce qu'on vous conseille c'est de jouer avec les textures, jouer avec les matières pour réchauffer votre look. Donc aujourd'hui on va sortir notre petite jupe en satin, la petite jupe en satin, la petite jupe en soie qui nous a suivi tout l'été, que je mixe avec un pull en maille et une paire de bottines. Donc là c'est un look qui fonctionne, c'est un look qui marche pour cette mi-saison. Donc le jeu des textures avec la soie, la maille et la petite paire de bottines pour donner ce petit côté automnal. Pour ce deuxième look, j'ai décidé de faire un jeu de superposition, faire du layering avec en première couche un sous-pull, une chemise blanche, une veste, je vais mettre un petit pantalon et des sandalettes. Moi je trouve que ce look là il est très bien pour transitionner. On a le côté un peu chaleureux avec le sous-pull et on a la petite veste pour structurer la tenue et la petite paire de sandalettes. J'aime bien ce mix de matière, j'aime bien ce mix de mélanger le petit sous-pull, la chemise avec les petites sandalettes, donc ça contrebalance bien. Ça fait un bon mix, un bon combo. Donc c'est encore de saison la petite sandalette, donc n'hésitez pas à reproduire ce petit look. Pour ce troisième look, pour cette troisième inspiration mode, moi j'ai décidé de mettre en avant un élément phare de la garde-robe en été, le t-shirt. Donc moi le t-shirt je veux pouvoir le transitionner avec un sous-pull, un jean et des bottines. Je trouve que c'est un look sympa pour pouvoir transitionner et mettre ces t-shirts même en automne. Pour ce quatrième look, donc moi ce que j'ai décidé de faire c'est de reprendre un élément phare de l'été, c'est la sandale. Et j'avais envie de la proposer de manière à ce que vous puissiez la porter en automne en la mixant avec soit des collants ou des chaussettes. Donc, ce que je fais pour mon look c'est que je porte une veste, un t-shirt, un jean, j'accessoirise le tout avec une paire de chaussettes en lurex et j'y ajoute mes sandales. C'est une proposition plus audacieuse, un look plus pointu, donc ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais c'est une très bonne occasion de pouvoir mixer ces sandales et de les transitionner en automne. Pour cette cinquième et dernière inspiration mode, moi je vais ressortir ma petite robe de l'été. Voilà, la petite robe de l'été, vous pouvez évidemment la transitionner facilement. Donc on va réchauffer un peu cette petite robe avec un petit t-shirt et je vais mettre par-dessus une petite veste et je vais l'accessoiriser avec des bottes. C'est un petit look idéal pour transitionner, pour passer de l'été à l'automne tout en douceur. Vous pouvez toujours conserver vos petites robes de l'été. On vous a présenté 5 looks pour passer de l'été à l'automne. On espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous donnera plein d'inspiration pour transitionner. Donc si c'est le cas, eh bien laisse-nous un petit pouce vers le haut. Oui, et on garde le contact dans les commentaires. Donc dites-nous comment vous faites pour transitionner, pour passer de l'été à l'automne. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!